La production agricole s'est faite pour produire euh, des fibres, de l'alimentation, toute une série de choses utilisables. Et c'est effectivement cette première notion que l'agriculture, ça ne produit pas que cela, et que si on veut regarder la notion de performance de l'agriculture, eh bien, il va falloir regarder toute une série d'autres produits de l'agriculture. Et vous connaissez ce, ce diagramme qui est, qui est maintenant, disons, assez, assez classiquement utilisé pour présenter les services écologiques, c'est-à-dire le fait de dire un système agricole, ça va aussi. Produire des services de régulation, ça va fixer du carbone, ça va traiter l'eau, donc ça va contribuer à alimenter des nappes phréatiques en quantité et éventuellement en qualité, ça va éventuellement réguler un certain nombre de processus et notamment de, de, de développement d'agents pathogènes, et puis ça a aussi toute une série de services qu'on appelle des services culturels, services qui peuvent être le plaisir de contempler un paysage agricole ou le plaisir qu'on peut avoir effectivement à, à emmener des classes de, et à découvrir ce que c'est que l'activité agricole, et donc c'est tout ce qu'on appelle ces, ces services culturels. Et donc, ce, ce schéma étant posé, euh, et vous le verrez à chaque fois, je suis obligé de mettre quelques, quelques flashs seulement sur chacune de ces questions, une des questions que je voudrais vous disons, évoquer, c'est comment on peut évaluer ces services écologiques dans des milieux comme les milieux agricoles, ce sont des milieux très anthropisés, en se disant finalement un service écologique, comme par exemple le, la, la production même de, de biens agricoles, eh bien, euh, ça fait appel à trois investisseurs. On peut prendre cette image en disant finalement un service. Il y a tout d'abord un, un investisseur qui est le capital physique, donc l'énergie lumineuse issue du Soleil, la pluviométrie, le sol qui va apporter des éléments fertilisants et donc qui vont contribuer à la production agricole. Ensuite, il y a un capital biologique, et là, c'est effectivement tous les, les êtres vivants qui vont contribuer à cette production. Mais, et c'est là euh, ce qu'il y a de différent par rapport à un écosystème naturel, il y a effectivement des hommes qui vont apporter un certain nombre de ressources dans cet écosystème, qui vont être des ressources en termes d'énergie, en termes de travail, en termes d'investissement. Et donc la question, c'est comment on peut décortiquer ces différentes composantes. Et en particulier, comment on peut décortiquer cette participation du capital naturel par rapport à ce qu'on peut appeler l'investissement du capital humain. Et quand vous regardez un petit peu la littérature là-dessus, et bien effectivement, vous avez des gens qui disent, eh bien, la, la valeur du service, c'est la valeur totale de tout ce qui est produit. Et on tombe sur un paradoxe, qui est que ce sont les systèmes les plus intensifs qui produiraient, d'une certaine manière, le plus de services en termes monétaires. Et donc, pour corriger ça, on dit, ben finalement, il faudrait extraire la partie qui est liée uniquement à la contribution du capital écologique, mais ce n'est pas évident de voir comment on peut faire, ou alors on pourrait au contraire extraire ce qui correspond à la partie du capital humain, et vous savez que dans un certain nombre de débats aujourd'hui au niveau mondial, où on parle de rémunérer les services écologiques, en fait il ne s'agit pas de rémunérer les services écologiques, il s'agit de rémunérer ce que l'homme par son activité produit comme excès de services écologiques. Il n'y a pas de raison de rémunérer un service écologique, ou alors il faut que la nature vienne et qu'on lui donne de l'argent. Et donc quand on parle de rémunérer un service écologique, en fait on veut rémunérer ce qui est en rose, c'est-à-dire en quoi l'homme a contribué positivement à la production de ce service. Et puis le quatrième paquet, c'est quand on dit qu'il faudrait modifier la notion du produit national brut et dire qu'il faudrait rentrer dans la logique du PNB vert, c'est-à-dire introduire tout ce que la nature produit gratuitement et qui n'est pas pris en compte par l'économie marchande et vous avez à ce moment là un quatrième ensemble qui est ici en jaune qui serait la, la partie non prise, en non prise en compte par l'économie marchande et, et qui est effectivement le supplément de production. et vous voyez que ces quatre notions je les pose que de manière qualitative et eh bien pose des problèmes en termes de théorie économique pour justement distinguer ces notions qu'on a parfois tendance à agglomérer. Et alors, quand on regarde ça, et ça me semble important de souligner, on tombe sur ce que j'ai appelé le paradoxe de la mise en valeur des écosystèmes. De quoi il s'agit Mais il s'agit de se dire finalement, quand on prend un certain nombre de milieux, vous avez ici des prairies humides au Canada, une forêt tropicale au Cameroun, des zones de mangrove en Thaïlande, etc. Et vous avez ici, en marron clair, la valeur totale des services écologiques produits avant que l'homme mette en valeur ces milieux. Et puis vous avez en marron foncé euh, la valeur totale des services produits lorsque, par exemple, on développe l'élevage dans des zones de prairies humides au Canada ou qu'on développe des élevages de crevettes dans des zones de mangroves. Et le paradoxe est celui que vous voyez, c'est que cette mise en valeur au sens microéconomique du terme est en fait une diminution de valeur si on regarde la totalité de ces services. Et c'est ça que j'appelle le fait de reconsidérer la notion de performance, c'est que ça peut changer beaucoup la hiérarchie entre un certain nombre de systèmes qu'on voudra comparer en fonction effectivement de leur performance relative. Alors un dernier mot sur cette notion de revoir la notion de performance, ça c'est un petit clan d'œil aux agronomes, il n'y a que les agronomes qui utilisent le mot rendement pour définir une quantité produite. Quand on parle du rendement d'un moteur, c'est un rapport entre un entrant et une performance. Et donc c'est tout à fait intéressant de voir à quel point la performance du rendement au sens agronomique du terme n'est absolument pas une performance de rendement au sens de la théorie énergétique. Donc, mais ça c'est un, un petit point aussi qu'il faudrait revisiter. Deuxième maxime de, de Maître Yoda, c'est la notion des économies de gamme. Alors de quoi il s'agit Eh bien il s'agit effectivement de, de se dire que les systèmes traditionnels disons de polyculture élevage qu'il pouvait y avoir en Europe aux alentours du 18e ou du début du 19e, étaient des systèmes qui produisaient une diversité de choses sur un territoire restreint et dont la performance économique était liée au fait que les intrants d'une un, production étaient euh, utilisés et ensuite que la, la sortie, donc par exemple les fumiers et autres, étaient réutilisés et donc que c'était disons d'une certaine manière ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie industrielle, c'est-à-dire le fait de, de recycler les différents produits sur place qui donnaient la performance à ces systèmes intégrés. Et lorsque effectivement on est passé... À la révolution agricole d'intensification eh bien on est passé à ce qu'on appelle les économies d'échelle c'est à dire au contraire on allait prendre une seule spéculation ici par exemple la production céréalière et la performance économique était liée au fait qu'on allait la développer à une échelle suffisamment grande pour avoir justement ces économies d'échelle en termes de mécanisation d'utilisation du travail etc. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, que pose l'agroécologie, c'est est-ce qu'on pourrait revenir, compte tenu d'un certain nombre de limites que l'on trouve à, au modèle d'économie d'échelle, à des économies de gamme Mais les difficultés qu'il faut traiter, c'est effectivement euh, qu'on euh, ne va pas pouvoir, pour un certain nombre de raisons, euh, retrouver des économies de gamme à l'échelle petite des exploitations. Autrement dit, les exploitations modernes sont tenues à une certaine spécialisation de leurs activités, et donc ça veut dire qu'il va falloir raisonner sur un territoire à définir, et eh bien des économies de complémentarité entre des exploitations différentes. Et là, il y a tout un défi pour l'agronomie qui est de définir ces territoires pertinents, sachant que ces territoires pertinents ne seront pas forcément les mêmes, justement suivant les services qu'on voudra produire. Si par exemple on veut produire une autre qualité, il faut travailler sur le périmètre d'un bassin versant au sens hydrologique. Si on veut développer la production d'insectes pollinisateurs, ça sera une autre, euh, disons un autre périmètre qu'il faudra considérer. Et même chose si on veut développer des stratégies de lutte intégrée et de protection des cultures. Et donc il faudra effectivement apprendre à trouver les bonnes échelles de mutualisation. Avec le fait que la mutualisation, ça a un coût, des coûts de transport, des coûts de transaction. Et donc, effectivement, il y aura un, un optimum de mutualisation à mettre en place si on veut renouer avec ces économies de gamme. Euh, troisième point euh, que je développerai un peu plus, c'est euh, la notion de l'hétérogénéité. Euh, en français, si vous regardez dans le dictionnaire, eh bien, euh, homogénéiser, ça existe. Mais hétérogénéiser n'existe pas dans la langue française, et ça, ça me semble un point à noter, c'est-à-dire qu'effectivement, on a d'une certaine manière un a priori favorable en faveur de l'homogénéisation, que je vais illustrer de la manière suivante. Vous savez que quand on, quand on présente la biodiversité, eh bien on dit il y a trois niveaux d'organisation de la biodiversité. Il y a la diversité des espèces dans un écosystème. Les espèces sont constituées d'individus qui sont tous différents les uns des autres, donc ça c'est la diversité individuelle qu'on appelle parfois à tort la diversité génétique, mais c'est la diversité intraspécifique, donc entre les individus. Et puis au-dessus, il y a effectivement la diversité des assemblages d'espèces, et donc ce qu'on appelle la diversité écologique ou la diversité paysagère, c'est-à-dire qui est au niveau de la structure de l'assemblage des espèces. Et quand on regarde cette organisation de la biodiversité et qu'on regarde ce qu'on a fait l'agriculture, eh on peut dire que l'agriculture s'est basée sur une compression de ces trois niveaux de diversité. C'est-à-dire qu'elle a choisi, comme on l'a vu précédemment, de travailler souvent sur une seule espèce dans un milieu donné, euh, que souvent, eh bien, elle a cherché à réduire la diversité des individus pour avoir des peuplements végétaux homogènes, à travers des variétés homogènes, avec, à travers des techniques comme les hybrides fins, par exemple, qui permettent d'avoir des, des individus qui sont tous identiques entre eux. Et puis en ce qui concerne la diversité écologique, ben, comme on l'a vu dans les images précédentes, il y a une simplification du paysage, justement pour faire jouer les économies d'échelle. Et donc ça veut dire que ces trois niveaux ont été des niveaux d'homogénéisation. Euh, une autre manière de le voir, c'est qu'effectivement, on peut dire que la logique de l'optimisation agronomique, c'est ce que j'appelle le paradigme individualiste, c'est le fait de dire on repère avec des méthodes toujours plus sophistiquées, l'individu le plus performant dans une collection génétique, etc, on définit pour cet individu les meilleures conditions possibles pour qu'il produise et qu'il exprime tout son potentiel. Et une fois qu'on a défini ce couple idéal, c'est-à-dire un individu optimum dans des conditions optimum, eh bien on cherche une photocopieuse et donc on fait ça à une échelle aussi grande que possible. Donc on a effectivement une logique d'un individu population et même d'un individu population système. Et on peut dire que le, 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 grand, le grand fantasme du clonage animal eh bien, rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire si on pouvait effectivement repérer l'individu idéal et puis le photocopier pour avoir une performance maximale, eh c'était considéré vraiment comme le, le, le Graal de l'optimisation des systèmes agronomiques. Alors comment, euh, comment on peut envisager de repartir en marche arrière et de revisiter les vertus de la diversité et de l'hétérogénéité eh bien là, il y a toute une série de travaux. Donc vous connaissez sans doute un certain nombre de travaux portant sur des céréales comme le riz ou l'orge, qui ont testé et qui testent de plus en plus des mélanges de variétés, c'est-à-dire qui, par exemple, mélangent dans un champ des variétés qui vont être résistantes à des maladies, mais avec des, des, des rendements plus faibles avec des variétés plus productives mais éventuellement plus sensibles, et qui montrent que dans certaines conditions, en particulier de situations où il y a des infections par des, par des parasites ou des champignons, eh bien ces mélanges ont des performances plus intéressantes que les variétés pures. Tout simplement parce que les variétés qui sont résistantes limitent la propagation des maladies et permettent aux variétés en mélange, qui sont plus productives, eh d'exprimer leur potentiel de production. Donc ça, c'est effectivement la réintroduction de la diversité individuelle à travers ces mélanges de variétés. Et puis vous savez aussi que de plus en plus on teste des associations entre espèces, c'est-à-dire qu'on se repose la question de pratiques qui parfois étaient anciennes, qui associaient par exemple des protéagineux comme le pois et puis des céréales comme le blé, et avec des effets tout simples qui est que souvent euh, le poids... Eh bien, a parfois du mal à, à, à se tenir droit et donc est assez sensible aux attaques par des champignons, et que le fait qu'il puisse grimper le long des tiges de blé eh bien, limite les propagations de champignons, et que souvent on montre qu'on euh, obtient un rendement aussi bon que si on avait fait uniquement du poids, et qu'on a toute la production du blé en prime, euh, avec en plus des fournitures d'azote croisées qui font que le poids peut... Contribuer à la fourniture d'azote par le bleu. Et donc, effectivement, ces, ces techniques d'association de, d'espèces, eh bien, c'est encore un, un autre exemple de l'hétérogénéisation. Et puis, vous le trouvez à une autre échelle dans ce qu'on appelle l'agroforesterie, qui consiste effectivement à voir est-ce qu'on ne peut pas marier, dans un certain nombre de milieux, des cultures annuelles et des cultures pérennes pour effectivement avoir ces effets de complémentarité. Alors ce que je voudrais euh, indiquer, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des cas dans lesquels on se met en ligne, il y avait des rangs de l'un et des rangs de l'autre, euh, et que c'est peut-être que le début d'une aventure intéressante, c'est-à-dire le fait de se dire finalement euh, il y a des théories mathématiques, on appelle la théorie des percolations, qui permet de dire finalement quand on organise euh, un, un système, par exemple, une forêt dans laquelle il y a des clairières réparties dans l'espace, ou un sol. Dans lequel il y a des hétérogénéités et des ports, eh bien on se rend compte que la vitesse avec laquelle un incendie va se propager ou un polluant va pénétrer dans le sol, eh bien à taux de, de percolation donné, c'est-à-dire pourcentage de jaune donné, la répartition dans l'espace de ces trous et de ces bosses peut changer complètement la vitesse de propagation de l'agent. Alors, vous pouvez me dire, ça c'est purement théorique euh, de dire, on va euh, on peut appliquer la théorie des percolations. Mais ce que je me dis, c'est que euh, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez des, des grandes machines à tisser modernes, vous rentrez une carte informatique dans laquelle on lui demande de tricoter un pull au avec Mickey et ses grandes oreilles et tout ce que vous voulez, euh, ou n'importe qui d'ailleurs, et la machine automatiquement va lire ça et va vous tricoter le pull au Bon. Et je me dis, demain, est-ce qu'on n'aura pas des semoirs de ce genre, cest à des semoirs dans lesquels on rentrera euh, la, la carte informatique de la percolation idéale, et puis le semoir fera pic, 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 et vous mettra en place les, les deux ou trois variétés intéressantes, non pas en ligne, mais avec effectivement des répartitions spatiales qui seront adaptées à la maîtrise de tel ou tel agent pathogène. Donc ce n'est pas, pas de la futurologie, on, on peut effectivement y penser en termes technologiques. minérale des plantes. Alors, Rassurez-vous, je, je ne suis pas ceux, de ceux qui vont vous dire que la théorie de l'humus a encore de l'avenir. Donc, effectivement, je crois profondément, enfin, je ne crois pas, mais je, je sais euh, que effectivement le carbone des plantes vient de l'atmosphère et pas du sol. Donc, ça, ça remonte à Lavoisier et compagnie. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que euh, ces, ces travaux de, de, qui ont commencé avec Théodore de Saussure et puis avant Lavoisier et d'autres, Liebig également, étaient quand même euh, basés sur une sorte d'artefact qui était la plante avec des racines qui trempaient dans l'eau, et que, euh, ayant ces racines qui trempaient dans l'eau, elle pouvait parfaitement absorber euh, les éléments dissous qu'il y avait dans l'eau, que ce soit de l'azote, du potassium, du phosphore et autres, que justement on mettait dans l'eau sous forme de sel dissous. Mais que la réalité d'une plante, quand elle est plantée, c'est qu'elle est dans un sol dans lequel la disponibilité de ces différents éléments, et bien ces éléments sont souvent accrochés, absorbés sur un ensemble de molécules, et que dans ce contexte, et bien la racine nue, ben, C'est un artefact complet, c'est-à-dire que si la racine est nue et qu'elle n'est pas associée à toute une série d'autres espèces de micro-organismes, eh elle sera effectivement incapable d'extraire du sol les éléments nécessaires à sa nutrition. Et donc, d'une certaine manière, il faut repenser la racine beaucoup plus comme un support physique qui vont permettre à toute une série d'autres espèces de s'accrocher, que comme un agent biologiquement actif, qui à elle toute seule va réussir à faire ce travail d'extraction des éléments. Alors ces, ces, ces micro-organismes, bon ben vous les connaissez, il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a toute une série, il y a des levures. Et effectivement, cette idée de dire la plante toute seule, individu idéal, ça n'existe pas, rien que la plante est déjà une association d'espèces, et eh bien d'une certaine manière, c'est ce principe qu'on euh, se rend compte de plus en plus qu'une plante, c'est comme une vache à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vache et tous les microorganismes à l'intérieur, vous avez la plante et tous les microorganismes à l'extérieur, mais ça fonctionne à peu près de la même manière. S'il n'y a pas l'écosystème microbien, il ben, n'y a ni vache ni plante. Euh, je vous donne un petit exemple de, de, de mon domaine de recherche favori qui, qui est la pisciculture des temps. Euh, vous savez que depuis, depuis longtemps, puisque les, les premiers traités de pisciculture remontent à la Chine ancienne, eh bien on s'est rendu compte que pour bien valoriser un étang, eh bien il fallait mettre une diversité d'espèces de poissons, tout simplement parce que c'est un milieu hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont aller fouiller dans la vase les petits vers de vase, il y en a d'autres qui vont aller sur les bords pour manger les végétaux des bords de rive, il y en a qui vont filtrer le plancton en pleine eau, etc. Puis il y aura des prédateurs qui vont manger éventuellement le zooplancton. Ou les petits poissons, et donc il y avait un savoir-faire qui était effectivement basé sur la diversité d'espèces animales valorisant un milieu lui-même hétérogène. Et ça veut dire qu'effectivement, on répondait à la diversité des ressources d'un milieu par un peuplement composite qui lui-même était capable de gérer cette hétérogénéité du milieu. Et alors pourquoi je vous dis ça C'est parce que euh, plus récemment, effectivement, on s'est dit qu'il faudrait améliorer ce, ce peuplement. Et il y a eu des travaux notamment en Asie pour essayer de voir est-ce que dans un peuplement, ici c'est le cas d'un mélange entre une espèce tropicale qui s'appelle le tilapia à droite et puis euh, la, la carpe à gauche, on s'est dit qu'il faudrait euh, faire un programme d'amélioration génétique du tilapia. Et donc on a développé tout le savoir-faire de, de la génétique quantitative et on a effectivement créé un tilapia qui grandit à peu près deux fois plus vite que le, le tilapia témoin. Puis on l'a testé. Et on a montré effectivement que dans des étangs où il y avait d'une part des tilapias témoins donc à gauche ou des tilapias améliorés donc qui, qui portaient ce nom de variété gift et eh bien effectivement on sortait une biomasse plus importante de tilapia. Donc on avait bien amélioré la production de tilapia. Par contre ce que vous découvrez en rouge c'est effectivement ce qui s'est passé pour la production de carpe. Et vous voyez en fait que eh bien, euh, il y a eu un transfert de ressources trophiques qui fait que le tilapia bah, consomme une partie plus importante des des ressources alimentaires, mais qu'on n'a pas du tout amélioré la productivité totale du système. Ce qui veut dire qu'effectivement, si les généticiens, et je le souhaite, s'attaquent à l'amélioration génétique de peuplements composites et de mélange d'espèces, voire de mélange de variétés, ben c'est toute une génétique différente de la génétique portant sur une seule espèce, dès lors qu'il faudra faire une génétique des interactions et pas une génétique de la performance de chaque espèce individuellement prise. Alors vous pourrez vous poser la question, qu'est-ce qui serait passé si on avait aussi amélioré la carpe Mais effectivement, l'expérience n'a pas eu lieu, donc vous pouvez essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait eu deux programmes de sélection de la carpe et du tilapia et qu'on avait, qu avait mélangé les deux. Euh, et puis le troisième niveau de, de, de culture de l'hétérogénéité, eh c'est tout ce qu'on appelle le remembrement écologique, c'est-à-dire être capable de reconcevoir un paysage. Non plus homogène, comme je l'avais indiqué précédemment, mais en insérant dans ce paysage toute une série d'infrastructures. Alors, ça peut être des zones humides, ça peut être des zones boisées, ça peut être des haies, ça peut être une série d'éléments fixes du paysage. Et de savoir, et ça aussi, c'est un, un défi pour l'agronomie de demain, de savoir concevoir cette répartition des éléments fixes du paysage par rapport à toute une série de fonctionnalités. Et donc, de, de savoir recomposer un paysage. Et recomposer un paysage, ça veut dire aussi qu'il faut, et j'y reviendrai tout à l'heure, le recomposer en tenant compte de la diversité des acteurs de ce paysage, c'est-à-dire qu'on n'est pas en planification à la soviétique en disant on va mettre une ELA à tel endroit, etc. Il faut voir comment on peut, avec des acteurs d'un paysage, proposer cette évolution. Alors j'ai mis ce mot qui souvent fait un peu peur dans les campagnes de remembrement écologique, mais c'est quand même ça, c'est de restructurer un paysage par rapport à ce principe d'hétérogénéité. Euh, Venons-en donc à la question de ce que j'appelle les solutions imparfaites. Parce que euh, souvent, quand on, quand on parle d'agroécologie, on dit ben voilà, ça va nous donner des, des solutions. Et on a la, derrière la notion de solution, on dit ben voilà, par exemple, il faudrait qu'on trouve une variété résistante à une maladie. Et qu'on est effectivement dans l'agronomie traditionnelle, dans la logique d'une solution qui à elle seule va résoudre le problème. Par exemple, on a un problème de maladie, et eh bien euh, sur des animaux, on va se dire est-ce que je vais essayer de mettre au point un vaccin ou est-ce que je vais essayer de trouver des variétés résistantes Mais dans les deux cas, on dit, ben, si j'ai mets au point un vaccin, j'aurais effectivement résolu le problème. Ou si je trouve une variété résistante, j'aurais effectivement résolu le problème. Or, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que justement, l'écologie ne propose pas de solution parfaite. Et que la question, c'est effectivement de combiner différents niveaux d'action qui, globalement, vont faire une stratégie. Alors, pour en rester sur le modèle de la protection des cultures, ben c'est vrai qu'on peut repérer une diversité de gènes de résistance à une maladie, euh, et puis chacune va correspondre à des mécanismes de résistance partielle, et que plutôt que de chercher un gène qui confère une résistance totale, on va éventuellement dire, ben voilà, on va mettre plusieurs gènes de résistance partielle dans les individus, et puis ensuite on va se dire, mais c'est peut-être plutôt... Ces gènes, il faut peut-être plutôt les répartir dans la population, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'individu parfait, mais qu'il y ait une répartition des résistances dans une population en utilisant ces mélanges dont je parlais précédemment. Donc on peut faire des variétés dans lesquelles les individus ne seront pas tous identiques, mais dans lesquelles on jouera sur cette diversité des mécanismes de résistance. Puis ensuite, il y a ce niveau d'intervention euh, sur la diversité des espèces, sur le fait de dire mais il faut peut-être pas, euh, disons, il faut alterner peut-être sur les parcelles euh, différentes cultures pour éviter l'amplification des agents pathogènes. Donc ça, c'est toutes les vieilles pratiques qu'il faut retrouver au niveau des assolements, des rotations, etc. Et puis il y a enfin euh, cette notion d'aménagement du paysage dont on vient de parler. Et pourquoi j'utilise cette notion de, de défense en profondeur ben C'est parce que vous savez que les... Les militaires ont découvert que lorsqu'ils voulaient trouver la solution idéale, c'est-à-dire la ligne de défense infranchissable, la ligne Maginot, la ligne Siegfried, le mur de l'Atlantique, etc., ben, si c'était vraiment infranchissable, ça marchait. Mais si par hasard c'était pas infranchissable ou que c'était contourné, eh bien si on n'avait rien organisé derrière, eh bien c'était c'était le rush, et donc le système était extrêmement vulnérable. Et donc ils ont introduit cette notion de défense en profondeur euh, qui est de dire, ben voilà, il faut partir de l'hypothèse que chaque obstacle est franchissable, mais qu'il y a une série d'éléments de défense qui, globalement, vont faire un système de défense. Et en transposant cette notion de défense en profondeur, eh bien, ça introduit cette notion d'innovation en profondeur, dans laquelle on ne va pas essayer de dire c'est plutôt les gens qui vont faire un vaccin qui vont gagner par rapport à ceux qui vont faire une variété résistante, mais c'est au contraire ces gens-là qu'il faut faire travailler ensemble pour concevoir une stratégie globale. Et puis dernier point, effectivement, pour le moment, toutes les représentations que j'ai fait c'était en 2D, c'est-à-dire c'était sur un, sur des représentations purement à plat. Mais rappelez-vous qu'un système agricole, cette ben, c'est potentiellement, potentiellement en 4D, c'est-à-dire il y a une troisième dimension qui est la dimension verticale, puis une quatrième dimension qui est l'organisation dans le temps. Et ça veut dire que dans un ensemble de milieux, et notamment sur les milieux tropicaux dans lesquels on va jouer sur l'étagement des végétations, et eh bien la question de la gestion de Hétérogénéité, ben il, faut, il faut la penser en, en, en quatre dimensions. Euh, alors, on, je regarde où on en est, oui, c'est bien. Euh, je voudrais vous parler un petit peu d'information, c'est-à-dire de, de, de voir effectivement qu'est-ce que ça veut dire de préférer euh, l'information à l'énergie. Euh, alors, vous avez ici effectivement deux, deux variétés de, de blé. L'une en bas, la courbe verte, qui est une variété traditionnelle, et on regarde son rendement en fonction des doses d'azote qu'on lui applique. Et vous voyez que cette variété traditionnelle ne répond pratiquement pas à la fertilisation azotée. Et euh, qu'ont fait les généticiens Eh bien, ils ont créé effectivement des variétés améliorées, que vous avez ici en jaune, enfin en orange, et qu'est-ce qu'elles ont comme propriété C'est qu'elles répondent à la fertilisation azotée, autrement dit que quand on augmente les doses d'azote, eh on obtient effectivement des performances, c'est ce fameux couple optimal, un individu performant et un traitement performant, mais vous voyez qu'elle n'est pas plus performante qu'à faible niveau de fertilisation. Autrement dit, on peut dire qu'une grande partie de l'intensification agricole est une intensification disons, basée sur l'énergie, puisque finalement de l'azote c'est de l'énergie, et donc on a massivement intensifié par des apports d'énergie. Alors pour vous montrer à quel point c'est intensif, je voudrais vous montrer les chiffres qui sont les, les importations, enfin les productions d'azote qui ont été faites depuis le 19e siècle. Vous savez qu'au début de l'intensification de l'agriculture, les premières sources d'azote qu'on a été mobilisées, c'est ces gisements naturels qu'il y avait au Pérou et au Chili, qui étaient soit des fiandes d'oiseaux, le fameux guano qu'on trouvait sur la côte ouest de, de l'Amérique du Sud, soit ces nitrates du Chili, qui étaient liés à des dépôts sédimentaires dans des conditions tout à fait particulières et qui étaient des, des gisements naturels de nitrates. Et alors ce que vous avez sur la courbe qui suit, c'est effectivement à partir de 1850, le début de, de l'utilisation de ces engrais chimiques et vous avez en vert donc la courbe du guano donc qui est, vous, la, vous la voyez en, en vert ici. En rouge, vous avez les nitrates du Chili. Et puis, vous voyez que vers les années 1920-1930, vous savez que les engrais azotés, c'est des petits frères de la Première Guerre mondiale, hélas. Et vous voyez qu'apparaît effectivement la synthèse chimique avec le début des engrais azotés qui, dès les années 40, eh bien, remplacent très largement les, les engrais naturels. Mais la suite de la courbe, eh bien, elle mérite d'être regardée parce que vous voyez qu'on change totalement d'échelle, c'est-à-dire qu'à cette échelle-là, là on n'est plus dans des milliers de tonnes, on est dans des dizaines de milliers de tonnes. Et vous voyez qu'à cette échelle-là, eh ce qu'il y avait en 1940, ben, c'est pratiquement rien, et que ce, ce boom des engrais azotés, ça a été effectivement le grand facteur de forçage, et on pourrait le dire pour d'autres ressources, de l'intensification de l'agriculture. Alors qu'est-ce que je veux dire par ma, par ma, par ma notion d'information eh C'est que cette notion de lecture énergétique euh, des systèmes, eh bien, elle a par certains côtés presque contaminé l'écologie elle-même, puisque quand on, remont, re, quand on modélise comme ça un écosystème et qu'on met des flèches qui relient les, indies, les espèces entre elles, eh bien, les petites flèches, très souvent, eh c'est des bilantrophiques, c'est-à-dire c'est des flux d'énergie dans le système. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, euh, avec quelques exemples, c'est de se dire, mais finalement, si on lisait cet écosystème en disant que chaque, chaque flèche est un flux d'informations. C'est-à-dire que ce qui passe d'une espèce à l'autre, eh euh, il faut le regarder en termes d'informations. quelques exemples euh, vous avez ici un petit, un petit tabac dans le désert du Mexique, et vous avez effectivement des insectes qui vont venir pondre euh, sur ces feuilles de tabac, et les œufs vont éclore, ça va donner des chenilles, et les chenilles vont manger les feuilles jusque-là, rien de particulier. Euh, mais effectivement, ce petit tabac ne reste pas, euh, disons, à se faire manger les feuilles sans rien faire, et il va émettre deux signaux et donc c'est ça l'information donc là c'est des signaux chimiques mais ça pourrait être aussi des signaux physiques des vibrations etc premier signal, un signal qui va dire effectivement à d'autres femelles qui viennent de répondre qu'il y a déjà des femelles qui sont présentes donc il va signaler le fait qu'il y a déjà des femelles présentes et donc que la plante se fait déjà manger des feuilles et qui va plutôt être un signal répulsif par rapport à l'arrivée d'autres femelles puis deuxième signal chimique un signal au contraire qui va attirer D'autres insectes, là c'est des géocoris, et que vont faire ces insectes Eh bien comme par hasard c'est des, des insectes qui mangent les chenilles. Autrement dit, la plante va émettre un signal qui va mobiliser d'une certaine manière des défenses naturelles que sont ces insectes mangeurs de chenilles. Et donc, c'est ça un peu cette écologie de l'information cest est-ce qu'on ne pourrait pas davantage la mobiliser Et alors, je vous montre un, un, exemple, un autre exemple en Afrique. Vous savez que le, le maïs a un centre de ravageurs. Alors, il y a la pyrale qu'on connaît bien à cause de tous les débats sur les OGM. Et puis, il y a une jolie petite plante violette, mais qui est un vilain parasite des racines, qui s'appelle le Striga. Et donc quand on regarde dans la, dans la flore africaine, eh bien, on trouve toute une série de plantes intéressantes, qui ne sont pas des plantes consommées, mais qui sont euh, ce qu'on appelle des plantes attractives, qui vont éventuellement attirer euh, l'épirale davantage que ne peut le faire le maïs, qui peuvent être des plantes pièges, c'est-à-dire des plantes dans lesquelles les insectes vont venir pondre, mais les œufs ne vont pas se développer ou qui peuvent être des inhibiteurs qui vont sécréter des inhibiteurs de germination qui vont faire que le parasite ne va pas germer lorsqu'il va être sur les racines du maïs. Et alors ça donne effectivement des stratégies qui sont complètement des stratégies de gestion de l'information, c'est-à-dire qu'on va intercaler dans un champ de maïs. Toute une série de ces petites plantes, et avec ça, effectivement, en jouant sur ces signaux qui soit attirent des ennemis naturels, soit piègent effectivement euh, les, les insectes ravageurs, eh bien, on va pouvoir gérer euh, la, la protection de la culture en jouant effectivement sur, euh, sur cette, euh, cette signalétique chimique. Un autre exemple plus subtil, et alors on pourrait dire plus vache si on se prend, si on se met du côté de la pyrale, c'est effectivement le fait qu'on va non seulement mettre des des, des des plantes qui vont attirer ces ces pyrales, mais on va mettre dessus des un certain nombre de, de parasites de ces pyrales, donc des champignons entomopathogènes, et donc quand les quand les insectes vont venir pondre, et bien ils vont repartir en emportant les spores de ces champignons entomopathogènes et quand ils vont féconder les femelles, eh bien, ils vont leur donner cette maladie qui va les détruire. Donc c'est effectivement de, de l'autodissémination, c'est-à-dire qu'on on, on utilise le parasite pour disséminer lui-même quelque chose qui va permettre de détruire les, les autres parasites. Donc on peut dire que c'est de l'information ou de la désinformation, hein, mais en tout cas c'est effectivement cette idée que je, je voulais vous, vous faire passer. Donc nous arrivons pas loin de la, de la fin de cet exposé et, et je voudrais vous dire quelques mots sur cette notion du temps long euh, et, et de la reprise en compte de ce temps long et juste là aussi quelques flashs. Euh, je vous ai mis ici hein, une, une simulation de, de, de différentes stratégies d'amélioration génétique. Là c'est un, un modèle chez des animaux dans lequel euh, on teste, alors vous avez donc une stratégie qui est ici en vert, qui est une stratégie d'efficacité court terme, et on sait que le plus la génétique avance, le plus on est capable, avec les méthodes de génomique et autres, de détecter rapidement les individus qui sont génétiquement les plus performants, et, euh, et vous voyez effectivement que c'est la stratégie qui produit le plus de progrès génétique à court terme, mais qui effectivement, du fait qu'elle a détecté rapidement les individus, Performant, eh bien, épuise assez vite la diversité et plafonne à moyen-long terme. Et puis, à l'autre bout, vous avez, vous avez la stratégie jaune, qui est effectivement moins efficace à court terme, mais qui va obtenir à long terme des gains beaucoup plus intéressants. La difficulté de cela, c'est qu'entre trois sélectionneurs qui choisissent les stratégies vertes, rouges et jaunes, eh bien, vous connaissez la réponse c'est que le seul qui va subsister, c'est celui qui aura pris la stratégie verte. Euh, donc comment faire effectivement pour prendre en compte ce temps long et faire que des stratégies de long terme eh bien, soient d'une certaine manière euh, soutenues parce qu'elles sont davantage porteurs d'avenir, ben, ça pose toute la question ben, de, la, de la libéralisation totale du marché des semences. Est-ce qu'il ne faut pas que d'une manière ou d'une autre, il y ait une certaine intervention publique pour créer effectivement ce, ce progrès génétique à long terme et alors, ça veut dire effectivement, et là aussi, juste un petit coup d'œil sur ce qu'on appelle la théorie de la viabilité, c'est-à-dire de dire finalement, si on est en univers connu et certain et stable. Eh bien, par rapport à deux paramètres, mettons, on va, on va prendre une culture de blé, puis on va définir les quantités d'azote optimales, et puis l'irrigation optimale, ou n'importe quel facteur. Et donc, on dit, voilà, il y a une combinaison adéquate de ces deux facteurs qui vont définir une zone de viabilité économique. Et puis, dans cette zone de viabilité économique, il y a un optimum qui est effectivement la combinaison qui va donner le maximum d'efficacité. Et donc, ça veut dire que si on est en univers stable, et eh bien, cet optimum, il est lui-même stable. Si, par contre, on est dans un univers dont les conditions, aussi bien écologiques qu'économiques, varient, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, au cours du temps, et au cours du temps long, et eh bien, non seulement la zone de viabilité, mais la localisation de la, du choix optimum, eh bien, vont se déplacer. Et ça veut dire que si on a choisi... À court terme, de passer par l'optimum, ça veut dire que en termes d'investissement, de mécanisation, d'organisation du travail, de structure de l'exploitation, on s'est focalisé sur l'optimum, eh bien on risque fort d'être parti sur une trajectoire qui va se révéler inviable lorsque le système va se déplacer. Et donc ça veut dire que ce qu'il faut trouver, c'est ce qu'on appelle un peu des tubes de viabilité, c'est-à-dire quelles sont les trajectoires qui anticipent sur des évolutions successives du système et qui se disent l'important, ce n'est pas de choisir l'optimum à un moment donné, c'est de trouver la combinaison qui me permette d'affronter un univers incertain avec le maximum de chances de rester dans le tube de viabilité. Et donc ça veut dire que cette prise en compte du temps long, là aussi, ça rejoint à ce que je disais au début, c'est une autre manière de, de penser la performance. Euh, dernier point, dernière couleur, c'est la question qui n'est pas euh, vraiment dans le mot agroécologie, mais qu'on trouve dès les premiers écrits des années 60-70. C'est effectivement toute la question de revoir euh, les acteurs de l'innovation et de voir effectivement euh, comment on peut sortir d'un schéma... Qu'on appelle généralement le, le schéma linéaire descendant, dans lequel il y a une spécialisation avec effectivement les sciences et les technologies qui sont confiées effectivement à des innovateurs spécialisés. Et ça, ça donne de l'innovation, de la croissance, de l'emploi. Euh, et ce schéma linéaire, eh bien, ça veut dire qu'il euh, distingue assez clairement, de manière assez tellorienne, disons, des producteurs d'innovation que sont effectivement les, les chercheurs et l'enseignant-chercheur en agronomie, et puis tout le système éventuellement d'innovation et de développement, et puis des, des agriculteurs qui deviennent des utilisateurs de l'innovation. Autrement dit, il y a une distinction forte entre producteurs et utilisateurs. Euh, ça veut dire aussi qu'on ne va pas optimiser forcément dans les lieux de production mais qu'on va définir des lieux dans lesquels on, va, on aura des conditions beaucoup mieux maîtrisées pour mettre au point ces fameux optimums dont on parlait. Donc ça veut dire qu'on va chercher des lieux spécifiques. Et qu'une fois qu'on aura obtenu une performance dans ces lieux spécifiques et qu'on voudra l'obtenir dans les champs, on demandera à ce que les champs deviennent aussi semblables que possible à ces stations expérimentales. Donc c'est ce que les sociologues appellent la laboratarisation du monde, c'est-à-dire qu'on veut que le monde ressemble de plus en plus au laboratoire dans lequel on a trouvé cette, cette innovation. Et alors, la conséquence de ça, c'est qu'on se focalise forcément sur des grands systèmes, puisque le temps de trouver l'optimum est généralement assez long. Et donc, on dit finalement il faut regarder quels sont les systèmes suffisamment larges et reproductibles. Et donc, ça veut dire, et j'ai pris cette notion d'agriculture orpheline comme on parle parfois des maladies orphelines, c'est-à-dire des systèmes qui sont considérés comme économiquement insuffisamment importants et intéressants pour que l'innovation se concentre dessus. Et vous savez par exemple que 50% du chiffre d'affaires des semenciers mondiaux est lié au maïs. Autrement dit que de plus en plus, la question de ne plus avoir d'amélioration variétale pour des espèces de, plus, de moindre importance se, se pose réellement. Et pourquoi ça pose problème C'est que justement le, le, mot, le mot durable est un peu un mot piège, parce que euh, la durabilité, c'est certainement pas le fait que ces systèmes, ces grands systèmes, vont rester constants et stables c'est au contraire qu'il faudra faire de l'innovation dans laquelle on va avoir à faire face à une multitude de systèmes qui seront à la fois localisés et, et parfois petits et variables dans le temps. Et donc il faudra non pas chercher des optimums, mais seulement des systèmes qui seront viables dans les conditions locales et dans les conditions de période donnée. Et par rapport à ça, ces systèmes d'innovation tels que je les ai décrits ont du mal à créer ces innovations du quotidien. D'où effectivement, alors pardon, j'ai été un peu rapide, vous voyez, il y a Maître Yoda qui me rappelait à l'ordre, euh, et donc ça veut dire qu'effectivement, comment mettre en place ces systèmes qui seront, euh, disons, seulement viables à des échelles locales, et eh bien c'est toute la question de réassocier les agriculteurs à ces formes d'innovation, et c'est tout ce qu'on appelle l'innovation participative, je, je pourrais détailler. Donc comme je vous le disais, Maître Yoda me dit, me dit de conclure, et, et je le ferai autour de deux, deux idées seulement. La première, c'est de dire qu'il euh, ne faudrait pas, comme on le fait parfois, euh, considérer que l'intensification écologique et euh, l'innovation technologique sont des choix, constituent un dilemme. Euh, et qu'au contraire, il me semble, et j'en ai donné quelques exemples, que c'est euh, la combinaison euh, de la pensée agroécologique et de l'innovation technologique qui fera effectivement la mise en œuvre de ces concepts dans la réalité. Alors je vous ai mis quelques exemples ici. Euh, ça c'est une, euh, une balise à panneaux solaires dans lequel on a programmé toute une série de signaux d'effarouchement avec une très grande variabilité dans le temps donc on est très loin du pétard à corbeau de nos campagnes hein, mais il n'empêche que c'est basé sur une connaissance écologique fine de toute l'écologie de l'information dont je vous ai parlé et, mais c'est quand même basé aussi sur de la technologie ce que vous avez à droite bah, c'est un diffuseur de phéromones, ça permet de lutter contre les insectes parasites euh, de, des raisins et donc c'est des phéromones donc ces, ces, ces substances chimiques qui circulent et qui vont effectivement avoir des effets d'attraction des femelles, donc c'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle, c'est-à-dire que les femelles, au lieu de trouver un mâle, elles trouvent un truc en plastique, ce qui est nettement moins intéressant du point de vue de la reproduction. Et puis, vous avez en bas, effectivement, des robots, des robots intelligents des herbeurs, c'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin quand le soleil se lève parce qu'il peut avoir des panneaux solaires. Ils ont un logiciel de reconnaissance automatique et puis ils bossent tranquillement dans les, dans les parcelles à enlever les mauvaises herbes. Puis, quand le soleil se couche, ils se reposent. Et vous avez effectivement là un, un mélange effectivement de, de compréhension de l'écologie du système. Alors, ça sera peut-être plus difficile dans mon patchwork dont je vous parlais. Là, il faudra qu'il soit très intelligent. Mais effectivement, on peut imaginer ce genre de technologie. Puis ma deuxième conclusion, c'est de, de revenir sur cette histoire des sept couleurs, euh, parce que effectivement, euh, quand on regarde un arc-en-ciel, euh, et même sans regarder un arc-en-ciel, vous savez très bien. Que le spectre lumineux est un spectre continu. Autrement dit, il n'y a, a pas cette couleur. Il y a un spectre continu qui va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Or, pourtant, tous les enfants des écoles, quand on leur dit dessine un arc-en-ciel, eh bien, ils prennent sept crayons de couleur et puis ils font un bel arc-en-ciel. Et pourquoi, pourquoi ils ont fait ça eh c'est parce que, effectivement, cette expérience du prisme, eh bien, euh, elle, est due, euh, elle, est, elle a été euh, mise en place par Newton. Et Newton, quand il a montré qu'avec un prisme, on pouvait décomposer la lumière blanche, ça a été un scandale total. C'était un scandale total parce que la lumière blanche était le symbole de la pureté, et la pureté, par définition, ça ne peut pas être hétérogène. On en a parlé pendant tout le cours. Bon. Et donc il a montré que la lumière blanche n'était pas pure. Alors, ça, c'était l'horreur. Et alors, Newton a dit, gratte, 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 parce qu'il avait quelques ennuis quand même avec, avec les autorités, comment je pourrais me réconcilier avec une certaine or ordre divin et Il a dit, ben voilà, euh, je vais dire, eh bien, qu'il euh, y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel. Euh, pourquoi cette couleur Parce qu'il était un peu alchimiste sur les bords, euh, et il savait qu'il y avait les sept planètes, les sept symboles alchimiques, et s'il montrait qu'en décomposant la lumière blanche, on retrouvait d'une certaine manière l'ordre divin, eh bien, il pouvait se réconcilier comme ça en montrant que ce qu'il avait trouvé n'était pas si scandaleux. Alors il a compté les couleurs, il a dit rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, zut, 7, 6. Alors il a inventé l'indigo, hein, en disant, mais ben voilà, il y a une couleur, s'appelle l'indigo. Hein, euh, et, et avec ça, ben, il a retrouvé effectivement un certain équilibre entre euh, ce qu'il avait vu et puis l'ordi. Alors pourquoi je vous dis ça ben, D'abord pour vous raconter une petite histoire et puis surtout pour dire que maintenant votre boulot ben, c'est de faire l'expérience du prisme inversé que Newton a fait lui-même, c'est-à-dire de savoir comment vous allez recombiner ces différentes composantes de l'agroécologie pour faire une très belle lumière blanche qui va éclairer l'avenir que vous allez construire ensemble. Merci de votre attention.